I think for me, it's happiness. Hope. La fierté. Écoute. Bienveillant. Le bien-être. Processus. Foundation. La chimique. D'où nous venons. Le territoire. La réappropriation de notre identité. Je te dirais que de plus en plus, nous innovons par la culture. On développe nous-mêmes nos propres programmes et services, comme par exemple tous les programmes liés à la langue, la culture, le patrimoine, le territoire. Donc, je dirais, c'est toute la démarche de notre communauté vers l'autonomie, le fait qu'on est une communauté qui se prend en main puis qui ouvre des chemins. Il y a quelques années, on avait eu la première délégation bénakise aux Jeux interscolaires. Je remercie aussi la participation du CPE et du programme PAPEN par l'entremise d'un projet de mini-powwow qui a commencé l'année passée. Donc, on va être à la deuxième édition. For me, actually, is elder wellness. So I wrote a proposal to have to be part of CrossFit. So three times a week, elders can go to a CrossFit. Integrated planning for both health and wellness. L'augmentation des ressources qui travaillent plus proche du terrain. Le projet de loi P92, qui est le projet de Chewachun pour notre communauté. Je pense que d'emblée, le mieux-être passe par l'actualisation de la culture. Donc, la culture, c'est vraiment un des très gros piliers du mieux-être. I think for sure it's the resources and the information that the commission shares with us that we can share with our community. Le travail de proximité qui se fait entre les conseillers de la commission et les membres de la communauté, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup quand même à la mise en œuvre des activités et partant à l'amélioration des conditions de vie des membres de la communauté. Le territoire est grand. On est éloignés les uns les autres. Alors, je dirais que pour le mieux-être, l'avantage et le bénéfice le plus grand des commissions, c'est le fait de nous réunir ensemble. Le fait de défendre nos intérêts de façon collective, c'est une avancée majeure. Je dirais que c'est d'avoir des gens qui sont impliqués, qui sont disponibles pour répondre aux besoins des communautés, qui connaissent bien aussi les différents services. C'est beau à voir, là, t'sais, il y a vraiment une mise en action rapide et une bonne réponse aux besoins là, des différentes communautés. Quand on parle de culture, on parle de la langue, c'est un élément vraiment important dans la culture pour soutenir la communauté. That's definitely a key point in becoming a very well-rounded community, is to ensure that we have culture in as much of the activities and initiatives that we do for our community members. Moi, je dis souvent que notre culture, c'est le carburant de ce qui va être fonctionnel, opérationnel. On est comme en train de décolonialiser là, par l'appropriation de notre culture. Pour être davantage ancré comme individu, comme collectivité, comme communauté, comme nation, la culture, c'est ce qui nous permet de s'ancrer, d'avoir nos bases. We have so much going on in terms of culture. More specifically, though, like we can do culture activities, we can plan different things, but the underlying is our practice of our ceremonies that guides us to everything that we do and contributes to our wellness, or else we'd be out of balance, so to speak. La culture, je dirais qu'elle fait partie intégrante du mieux-être et de la guérison des Premières Nations, incluant celle de ma communauté. Well, I've been in my position for only 2 years, but the biggest thing that comes to mind for me is the North American Indigenous Games, the coordination and support that the commission has provided for the athletes of Ganawage, and to see the happiness and competitive spirit come out in all of our athletes, we couldn't have done it without the commission.
Je pense que la Commission peut être fière de son partenariat, et notamment moi particulièrement, je vois comment est-ce que je travaille avec les conseillers de la Commission. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment positif, le travail de proximité et tout l'appui qu'ils apportent quand même. Je pense que la Commission devrait être fière vraiment de ces conseillers-là. Is empowerment, is allowing our own growth at different levels depending on which community. So to diversify those services is a big job, is a big task, and I think that they've done that. As the president of the board of directors for the First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission, I am optimistic about our future. Thank you for all the comments that you helped participate on this video to make for us. But all of us embark on this next step of our journey together. With self-determination at the forefront of all of our communities, and with the emphasis and momentum to more health and wellness, and really trying to think together on how do we improve in the best interest of all our communities, I'm really optimistic for where we're headed next. Thank you once again, and I look forward to the next step of our journey, arm in arm together.